ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos, ok? Mais aussi, comme vous faites déjà partie de l'équipe, je tiens à signaler que d'ici le 15 mars, notre challenge est que nous puissions avoir le maximum d'abonnés possible. Alors, à vous de jouer, ok? Aujourd'hui, j'ai prévu un très bon verre de jeu. Je vous ai fait un mélange de jeux de l'IPE, la Dolica, la Conqui, de l'Itongi. Au fait, en passant, quand j'ai fait mes cocktails, j'ai jamais demandé à quelqu'un d'aller copier. Hein? Tu vas aller cocktailer mon cocktail chez toi là-bas, ça te fait des choses, ça devient poison. Ne viens pas dire, maman procureur, je t'avais copié. Mes cocktails sont dangereux dès. C'est très très dangereux. C'est lié au contenu de mon élément. S'il vous plaît, faut pas aller essayer. Les astuces de YouTube, moi je pense que c'est du poison. Donc je ne vais pas vous emmener sur ce terrain-là. Donc voilà. Alors avec mon verre de jus, juste à côté, on va parler aujourd'hui de Denise Dussocheuil. Oui, encore Denise. De la même manière qu'elle s'est assise sur le dossier des lianes. Elle nous faisait des directs chaque 2 minutes. Direct au Yamomo là-bas, au Moïse est à gauche, Eliane à droite. Moi aussi, je me suis assise sur son affaire dès. Alors, en ce qui concerne le dossier de Denise, l'UNPC a retiré à Denise sa carte de presse. A exercé l'issue sous le coup la journaliste T à cause de la scandale Nyons Oyo à Sali. Et puis aussi, ma maman ba Télémi. Ba maman ba réagi, ba maman ba tomboki. Est-ce que ba tomboki kaka po na likambo ba maman este, to baza pe na kanda ya ndenge a bouleversé dossier ya Eliane. Tokolobela yango tout au long de cet élément. Et je tiens aussi à signaler qu'on va parler également du concert du pasteur Moïse Mbie du 19 juin 2020 qui est annulé. Et enfin, Ndekona Biso, Elbrevi et Longa Oyo, Kangaki, Wasaki émission Nabunezo, Kangaki, voilà, il a été libéré. Ils ont fait une vidéo avec l'évangéliste Roger Baka, où on a annoncé que voilà, ils sont sortis, ils sont libérés, tout va bien, etc., etc. On va en parler tout au long de cet élément. Grand merci à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent, je voulais dire, excusez. Et je tiens à signaler que cette émission est un cadeau signé Vanessa Herwig. Vanessa Herwig qui vous fait des perruques de qualité, mais de dingue, prêts à être portées à Zana Belgique, na ville Spa. Pour vous contacter sur le +32 465 32 36 38 à +32 465 32 36 38 au Bengi Vanessa Herwig au commandé Azo Livreléo partout dans le monde et des perruques très bien faites. Je vous parle pas de la pacotille, hein, pas des trucs que tu mets et puis demain ça se fâche, tu sais plus reporter ça. Faites-moi confiance. Si c'est pas ça là, faut contacter ma procureure. Est-ce que moi je vous ai déjà menti? Donc voilà. Grand merci à ma sponsor, ma Mimi, ma Myriam, ma Wete. Grand merci à Cynthia Kapachi, mon major. Grand merci à maman Evelyne de Lolo. Vous êtes belle, vous soutenez à demain. Continuez de le faire. Donc voilà. Alors, commençons par le concert du pasteur Moïse. Ouais, le concert est annulé d'après un article qui est sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre. Bah, lobby, indépendamment de leur volonté, leur concert a été annulé. Et bah, remboursement au salama auprès. Il y a un droit au yo, je voulais dire shop, auquel il y a un droit au est-ce qu'il y a un ticket qui va billet et ça l'a vendu. Donc voilà. Moi, je me dis au fait que oui, si le concert a été annulé, que ce soit de leur volonté ou indépendamment de leur volonté, en tout cas, je pense que ce n'était pas le moment de parler concert au fait. L'artiste risquerait de faire un piaka. En ce moment, les gens ont encore le dossier Eliane en travers la gorge. Et surtout que le jugement n'a pas encore été nini. De ça, on a essayé de faire un mars, de éviter de faire un nini. Pour ça, on a essayé de faire c'était vrai ou faux. Et même si aujourd'hui, Sambi, le lobby n'a pas tenu sur que, ouais, et tout, c'était faux, c'est là qui est, et qu'il a été acquitté, ou encore condamné et tout ça. En fait, peu importe ce qui va se passer, mais je pense que pour cette année, vraiment, qu'il puisse faire un concert, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il a perdu la crédibilité de beaucoup. Et il doit essayer de se faire racheter. Ah, ça n'est peut-être promotion et avancer, on est sur les réseaux sociaux. Oui, ça passe. Mais un concert, c'est trop tôt. Après, ça reste un article sur les réseaux sociaux. Nous savons tous qu'il y a du fake. Hein. Quelqu'un peut faire. Enfin, prendre ses 2 minutes au lieu de faire quelque chose de plus important.
rédiger un long mot de fake news, à tirer sur les réseaux sociaux et voilà, ça circule. Donc, moi, je me dis, bon, vrai ou faux, dans tous les cas, s'il a l'intention de faire un concert cette année, qu'il laisse tomber. C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas besoin de ça. En tout cas, pour ce concert-là, on n'a pas besoin de ça. Il a encore des blessures à sécher, à panser, à guérir, Namité Mayabatou. Concernant le dossier Eliane, est-ce à hasard coupable t'es? Il faut d'abord qu'il récupère la confiance des gens. Je pense que c'est logique et légitime. Donc voilà. Alors parlons de la reine des médias, la journaliste intelligente, oh la journaliste professionnelle, oh la journaliste. Ah, mais bien la journaliste, Nini. Journaliste d'enquête. Mais bien à quoi moment boy. Journaliste VIP. Attends, na poto, à vivre na poto, maman Denise. Pour ceux qui ne le savent pas, elle était au cœur d'un scandale. Au-delà, elle va bien au Nino la carrière à moitié habillée, ses prestations à 2 balles, la bière à la main, danser comme je ne sais pas moi quoi. Donc voilà, au-delà de tout ce qu'elle fait, comme on sait sur les réseaux sociaux, elle avait clashé sur les femmes de l'Est. Bon, moi j'appelle ça clash, c'est encore propre. Elle a tenu des propos injurieux à l'égard des femmes de l'Est et les mamans se sont levées. Balobi, non, 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 trop ticangote. Il faut quand même ma pétition circulaire qui va marcher salami dans ma maman naya est naya ba tribu mususu va s'unir pour dire non à ce qu'elle a fait et voilà. Alors l'UNPC n'est pas resté silencieux nakati ya makambuana bango pe ba réagir. Donc on dit l'UNPC retire la carte de presse à la journaliste Denise Dussochoy Mukendi. D'après une source proche de l'Union nationale de presse du Congo, Denise Dussochoy Mukendi ne devrait plus rester dans la presse et cela en attendant la conclusion finale de la commission de discipline de l'organe régulateur des journalistes en RDC qui se penche sur le dossier. Dans une vidéo largement publiée sur les réseaux sociaux, la journaliste freelance avait tenu des propos injurieux et haineux à l'égard des plusieurs Congolais originaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette situation a suscité une vague de contestation, excusez, où plusieurs personnes se sont mobilisées autour de ce dossier pour porter l'affaire en justice. Une plainte a été déposée contre elle au parquet général de la Cour de cassation. Un citoyen originaire de l'Est, Chris Chematsi. Donc voilà, l'article dit à cause de Maramounio, Soane et tout, et respect, bah décider, paix, qu'on retire carte, n'est chose que moi je trouve normale. Parce que à l'Obaranamounoronaïe, que il y a ça, journaliste, etc. etc. Et à quoi qu'autant vous l'avez identité, n'a bu sauter sur Azo Sabo, Sony, Azo Royo, qui s'habille sur Sony, n'a ma cambazo, ou ça là. Il y a autant mon identité, bon, autant qu'on peut exercer au nom de la presse pendant qu'elle insulte toute une communauté. Nous sommes là, tous les pandisangos. Et ceux qui m'ont dit que ça, dans l'est du pays, bas scandale, on a mis tout le monde pour nous dénoncer. Allez, mis tout le monde pour nous dénoncer. Vous avez on a aussi une de nos collègues qui insulte ces personnes-là à un moment donné. Et ça allait être vraiment très sale au fait de notre part et très irresponsable. Ouais, donc voilà, je trouve que cette décision-là était la meilleure décision à prendre. Ça aura servi de leçon à beaucoup d'autres personnes. Et je me dis au fait que, bon, au fait, bon, ça peut être une sanction, c'est bien, mais si vous participez, mis sur les canaux YouTube, vous allez bien. Vous pouvez vous socoler la vie sur YouTube. Ah, bon, vous avez la carte, c'était pour appeler les gens, vous avez une chaîne, vous avez une chaîne, vous avez une chaîne. C'est vrai que ça ne demande pas une quelconque procédure, mais il faudrait quand même, puisque nous nous présentons au nom de la presse de la République démocratique du Congo, mais en ligne, nous devons faire les choses avec les normes. On ne doit pas avoir de la légèreté, débordement, des insanités sortir des personnes. Donc, genre, au fait, quelqu'un s'habille proprement. Aujourd'hui, ça soit avec quelqu'un comme Koffi Olomide, Fally Ipupa, nos grands musiciens, les papas Jean Goubald, les papas Lokua Kanza.
ces personnes respectables, respectueuses, on va dire, Oyambi na plateau, non, Mouloua, maman Miliabel, toi, maman tiens la moine, Oyambi, votre ami, néné, bon, Oyambi, pasteur, moi, mon néné, le roi, pasteur, moi, tout, pasteur, Marceloto, pasteur Roland Dallo, Oyambi, votre ami, néné, bon, allez, au tendre, bah, mon micro, allez, bon, si, quand on sent l'émission, lobby, n'a moyen, soki, nan, nan, ni, bon, bel, bel, ni, soki, bon, ni, nini, qui n'ont rien à voir avec nous, mais vous mettez vos caméras devant, vous vous permettez d'insulter, mais des insanités. Après, on va dire que ces journalistes, c'est la presse. Non, mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Donc, il faudrait que cette décision est cotatine à la presse en ligne. Il faut qu'il y ait la propriété. Bon, tel est la anti-valeur. En fait, ce qu'on dit, les trucs, les émissions qui font rigoler, les polémiques, mais sans insulter, sans qu'il y ait des insanités. Il est possible de se clasher sans s'insulter, mais avoir des insultes, mais déplacées à l'égard des gens. Quand on va jusqu'à insulter, physique, il y a Batou. Vie privée, il y a Batou. Et ça va bien repérer qui ça. Bon, si on a Denise a un petit valeur, on a été dans la presse. Boye rotala ba onde ya minene kutu ba leke Denise wa cousine na ya antivaleur bazar. Boye chape misu awa, bo longola oyo longolo ndi presa line bo kont bo tala ngote bo kipa ngote. Na kamwe na moni papa na biso au responsable ya presse wa kende ko sunga ba ande ko longa na ande ko comment s'appelle Bunez a sala ki pe ke lilobane permettait que Bunez pa ko ka obima. Papa ka ne otambole pou na likambo ya mission mo leke na YouTube. Tambola pepo, au sein de tes missions, t'en as d'un pour nous et comme la bisso, où tu imposes le respect mutuel, où tu imposes que ce qui m'ouvre, qui a fini, toi, débordé, toi, sali, gisement, encore déplacé sur les réseaux sociaux, signaler leur vidéo, on a tindé leur mot comme ça, chez nous, on est kangama. Parce que tu as dit qu'ils ont abruti le peuple congolais. Et à force d'entendre, en fait, quand on est habitué avec une bêtise, quand le bien arrive, au fait, on voit pas ce bien-là. On préfère suivre la bêtise comme on est déjà habitué avec la bêtise. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Lelo, bande konabiso, bapandisango, débordement dans ma loba. Et ça, là, qui va se retrouver, kangami. Et quoi, badwa ke koluka bango. Denise dossier n'écoute ça, lobi, loba, loba, ne va go finga. Ne ka ande bino go finga, internet, a woka sa leta, zate na ba kombo a batu. Denise yewana. E yinde le pele liye na moutou. Ndeko El Brevi, azui chance ya Robima, na moni na papa Roger Baka. En tout cas, discours a sali, na video, ya ba remerciement, un peu ko explique condition ya arrestation, na yemo na moun okona lobby, ke ba enleva ki yete, ba kanga ki yende, pour na besoin d'explication, pour na makambo a loba ki n'émission. Et pour ba beti yete, azay na ba condition ya ma be, ti. Yemo ka lobby na moun okona, ye. Ce que biso peut pas dire quoi pendant cet temps où tu as encore défendre puis pas n'inga biso toi battre la bibebe na wa la benga au demeure yo défendre mon n'inga na yo sa l'émission pour na faut pas être hypocrite, faut pas aller chez les au depuis causa ma be mozo ke kaka au biso tu as 4e pouvoir en amende et pour ça kanga biso on a 4e pouvoir en amende toi quand on sait on se comporte en nene na niveau politesse on a nos obi mise avec 4e pouvoir na mon quoi ngopé. Otalino o lo baki avant comme la 4e pouvoir. Allez, o lobi dans ma benane, après va respecter en tant que 4e pouvoir. Yo bo lo ba le o ka bo lobi kaka tondeni. C'est pas parce que toza va pandisa ou que toza soit 4e pouvoir dans le monde, mais cela nous donne le droit de nous comporter n'importe comment, n'importe quand. Non. Non. Nous assure ba arrestation, il y a un de qu'on a biso et servir les belles de leçon ko lo ba que il faudrait savoir ce qu'on dit. Tourner la langue 7 fois. Rester poli et correct. Internet, on dirait, le roi Boko a liberté d'expression. Donc, pour la liberté d'expression, il y a aussi débordement d'expression, exagération d'expression. Pour contrôler la bande, il y a un langage qui est dépassé. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Nous avons dit, na makambo a moni de robinet sa tengem a tem ma kas na makambo a lui prochainement au tie sous micro na été na mouvement zo ko démarrer moto kili kili avec beaucoup de nini sans pour autant ka za na ba bio ko mo au justifiant. J'espère que ndeko longa tem e bi ke ma manzambe oui et ça message de la part de Dieu mais faut na encadrer mo bien avant na pesa mo pour ne pas que makambo ba risse so ezongi na nga li sous pratique ki moi si na eti ki famille na e
inquiéta qui bat tout nyonso. Elle en a une, Denise, qui s'est comportée très mal dans les médias. Si quoi bat tout balobi que peut-être que ma maman bah la type est sous comme Denise Makasi à cause d'un dossier Eliane pour y penser dans sa lika compliqué dossier Eliane est bébé dans un bon Eliane pour Eliane n'est pas dans aucun deal à zéro la chance si on gagne procès autorité peut-être que la chance on les a perdu. Je n'ai pas dit ça n'importe qui n'est aucun deal même si tout le monde que dossier comme on stagne toi bah m'inquiète mais déjà n'importe qui dans aucun deal à zéro n'a moins lui au moins bon mais tant mon ma dédé a bimissé à popoler à l'obéir font moi les bibes bouba. Je vous dis ça tout bouleversé, ça tout changé. Ça a tout changé. Elle a été pour beaucoup dans le cas de déstabilisation à dossier. Surtout par rapport à l'image de Makambo. Et certainement, peut-être que ma maman m'a sous, c'est pas une hypothèse en négligé. Peut-être que ma maman m'a sous, il faut qu'elle ait un peu de temps. Donc voilà, nous, notre émission n'est pas pour inciter à la haine. C'est pas pour demander à ce que Namarambo et ça, on va décider les hommes exagérés. C'est juste pour demander à ce que Moutouda Moutou a respecté Moussala Naye, puis à foutre pour avoir conséquence à l'axe Naye. Et là, comme dit Denise, elle va servir de leçon. Demain, quand elle voudra ouvrir sa bouche pour parler, elle va réfléchir 3, 4, 5 fois. C'est pas parce qu'on a des affinités avec des gens haut placés qu'on va salir leur nom en se comportant mal dans les médias. Zomoun. Parce que personne ne voudra se salir les mains ou être fier en disant « Nana, soeur, nana, moi, bois ça, la bouille d'Internet. » Non. Vous voyez. Donc, voilà. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la décision de l'Union de presse congolaise où on va retirer les cartes. Et si vous pensez aussi qu'il est tempé que il y a peine à YouTube à dénoncer le monde de l'antivaleur, mon souci pour YouTube est un encombrement inutile dans les mots saranaté. Inutile parce que tout le monde devient un pandisango. Tout le monde, je vous dis tout le monde, j'ai rien contre les gens du théâtre. Même dans le théâtre, dans la chaîne, je ne suis pas comme un journaliste. Moi j'ai toujours dit, je suis youtubeuse. J'analyse autour de tout ce qu'il y a sur les personnes publiques, sur les réseaux sociaux. Moi pourquoi j'évite même de dire chroniqueuse, journaliste, tatati, tatata. Parce qu'il y a tellement du méli-mélo, il est temps qu'il y ait même de l'autre. Parce que les médias en ligne ne sont représentés qu'à Mboka. Ils ont représenté un individu. Ils ont représenté Péga Kamboka. Pour ceux qui ont été pays Moroboy, ils ont se présenté comme citoyens à pays Moroboy. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je vous aime, je prends dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.